Je m'appelle Hélène, je suis une comédienne professionnelle et depuis plusieurs années déjà, je travaille sur la tragédie grecque. Chaque jour, même quand je ne suis pas sur scène, je me grécifie. Je me sens pleine de graisse. C'est un travail passionnant, intense, profond, qui fait que chaque jour, je me sens de plus en plus grecque. Je suis de ceux qui aiment, non pas de ceux qui haïssent. Qui haïssent, il y a un H. Qui haïssent, non. Je suis de ceux qui aiment, non pas de ceux qui haïssent. J'essaie d'aborder la Grèce au sens large. À chaque heure du jour, dans mes tâches quotidiennes, la Grèce se diffuse à l'intérieur de mon corps de manière un petit peu mystérieuse. Je m'en vais enterrer mon frère. Et je dois dire tout particulièrement Sophocle. Sophocle me hante. Je l'entends, je sens sa présence, il m'épaule. Il est là. Veux-tu plus que ma mort? Veux-tu plus que ma mort? Tu me tiens dans tes mains. Veux-tu plus que... Tu me tiens dans tes mains. Veux-tu plus... Mais je voulais envoyer ce chèque. Il y a au moins trois. Oui, il y a au moins trois semaines, oui. Mais écoutez, Yassou. 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 Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Καλησπέρα. 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 Bon ben j'y vais. Salut. Au revoir maman. Tous les 15 du mois, je vais passer 48 heures dans ma cave afin d'éprouver ce qu'a éprouvé Antigone quand elle est rentrée dans son tombeau. Et alors, au bout de quelques heures, avec le froid et l'humidité, ma voix se transforme et je me rapproche de la voix réelle d'Antigone et donc je me rapproche du personnage. Oh ! Tombeau ! Chambre nuptiale, retraite souterraine, ma prison à jamais. J'ai pas pris mon briquet. Vous ne fumez pas, vous, par hasard ? Chaque jour, je commence la journée par une improvisation vocale et musicale autour d'un mot grec, hein, un mot de mon choix. Yassou. Alors, par exemple, ça peut être le mot Yassou. Yassou, Yassou, Yassou. Oh, Yassou. D'ailleurs, c'est un mot qui revient souvent dans mon quotidien, même quand je vais dans des magasins. Souvent, ça sort tout seul, et Yassou. Yassou, Yassou. Oh, Yassou, Yassou. Et donc cette improvisation-là, musicale, eh bien, m'aide à me sentir grec. Étranger au cœur pitoyable. Vous n'avez pas voulu entendre mon vieux père, instruit que vous étiez du bruit de ses forfaits. Mais au final, malgré tous ces rôles tragiques... Du bruit de ses forfaits. Je suis comme tout le monde, j'ai aussi mon rôle de mère, mon rôle d'épouse, mes deux plus beaux rôles finalement. Zim, zim, zim. Le trapéziste est dans les cimes, trapèze fin tu te balances, jongleur lancé bien en cadence, le ballon prenant semblance,
Et d'un grand soleil que l'on s'escrime et que l'on rit quand le clown mime et qu'on écoute sa romance. Zim, 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 Jean-Pierre Voilier. J'ai fini, hein. Oui, c'est bien. C'est bien, mon chéri. Vous étiez du bruit de ces forfaits, du bruit de ces forfaits. Non, vous n'avez pas voulu entendre mon vieux père. Instruit que vous étiez du bruit de ces forfaits. Pourtant involontaire. Pourtant involontaire. Mais de moi. Oui, attends, me dis pas. Mais de moi. Mais de moi, je vous en prie. Non. Non. Mais de moi, je vous prie. Mais de. Non. Mais de moi. Non, dis-moi, dis-moi. Malheureuse. Ah, mais de moi, malheureuse. Mais de moi, malheureuse. De moi. Non.